Bonjour Patricia, Patricia Vigneault, oui. Auteur, autrice, je ne sais pas comment. Auteur, c'est pas beau le mot autrice. Auteur, à la limite. Auteureux, voilà, de nombreux ouvrages, notamment historiques sur le territoire. Billy Lambert, hein, on avait vu un livre sur les bagnes. Le bagne. Mmh. Et puis là, maintenant, un sujet que personne ne connaissait, ou très peu de gens connaissaient, les Valtaires en particulier, c'est qu'à un moment donné, a été installée l'École royale de marine à Vannes. Ben oui, pendant 5 ans. Alors, d'où ce livre? Alors, ça vient d'où cette information, cette recherche? Ça vient du ministère de la Marine à Paris. Oui. Où j'étais tombée sur une petite archive parlant donc de l'école royale navale de Vannes, qui est finalement une des premières. Une des premières. Il y a 44 ans avant celle de Brest, et c'était donc la réforme de la marine faite par le maréchal de Castres, qui a prévu deux écoles royales. Une à Alès, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a bonne mère, mais la seconde, ou la première, on est dans le sens qu'on veut, à Vannes. Alors ça c'est formidable, parce que ça renforce un petit peu le passé maritime de Vannes, qu'on avait obéré ou négligé, mais ça a failli être quelque chose d'important, puis ça ne s'est pas développé. Il y a eu la Révolution. Voilà. Il y a eu la Révolution, mais autrement, pendant 5 ans, ça a été quelque chose d'important. Donc on formait les officiers. On formait les officiers de marine, et grande nouveauté, c'est qu'ils n'étaient plus... Pour être officier de marine, il fallait être issu de la noblesse. Et là, du coup, ça démocratisait, puisque les enfants de négociants, d'armateurs, tout ça, avaient accès donc, à cet enseignement pour devenir des officiers de marine. Donc pendant 5 ans, à Vannes, étaient formés... Il y a eu 5 promotions. 5 promotions d'officiers de marine qui ont servi après, mais est arrivée la Révolution. Ben oui. et donc, c'était l'ancien collège de Jules Simon. Qui était le collège des jésuites. Oui. Quand les jésuites ont été interdits en France, c'était devenu un collège municipal de la ville. Oui. On ne peut pas dire municipal à l'époque, c'était le collège de la ville, géré par l'évêché et par la ville en même temps. Et après, pendant 5 ans, c'est devenu l'école navale. Ce qu'on peut regretter, c'est que devant Jules Simon, il n'y a même pas de plaque rappelant, à la limite, ces 5 ans où finalement Vannes a été quand même quelque chose de très important. Donc ça serait intéressant de rappeler, de souligner avec une plaque par exemple. Une simple plaque ici de telle année à telle année, quoi, les plaques habituelles. L'école royale de marine. Il y a eu de grands officiers finalement qui ont été. Oui, alors on a vu la liste de grands officiers qui ont servi par la suite, évidemment après la Révolution française. Malheureusement, elle est passée par là. Au niveau de la marine est passé au second plan, bien sûr. Comme beaucoup de choses. Mais donc c'était intéressant de savoir que cette dimension maritime, elle existait déjà au XVIIIe siècle. Oui. Parce même avant. Finalement, Vannes était quand même petit, puis moyen, puis grand port de commerce au fur et à mesure des siècles. Ça, donc, du cabotage. Bon, c'est vrai que les bateaux étaient obligés bien souvent de se poser, je dirais, à hauteur de Conlo ou des choses comme ça. Oui. Mais il y avait les navettes qui étaient organisées. Et ce qu'on n'aime pas trop parler, n'oublions pas que Vannes a quand même été également un port négrier. Oui, petite échelle, oui. Certes, c'est pas Nantes, c'est pas l'Orient, mais il y avait quand même quelques-uns qui se sont lancés dans l'aventure. Alors, est-ce que c'était lié à la Compagnie des Indes et puis à l'arsenal Non, je pense que c'était lié au mercantilisme. Non, mais je veux dire toute l'activité en général. Non, Vannes avait son activité propre. Son activité propre. Donc ça, c'est intéressant. Il y avait des accords, bien sûr, avec l'Orient, la Compagnie des Indes et tout ça. Mais je veux dire, elle était restée quand même très autonome. Et alors, ce qui paraissait, parce que jusqu'à une époque encore relativement récente, disons il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, on disait que dans le golfe du Morbihan, on ne pouvait pas y naviguer, que même Tabarly s'y était échoué. Maintenant, on voit bien que c'est le contraire. On va avoir la semaine du golfe avec la grande parade des bateaux extraordinaires qui viennent de naviguer. Et puis maintenant, on sait en plus qu'il y avait une vocation maritime. Ah, mais tout à fait, qui était effectivement non pas dans le port de Vannes, vu qu'il y avait des problèmes de marée, mais qui finalement, dès que c'était sur le golfe, les bateaux faisaient halte et puis des navettes amenaient effectivement tout bêtement vers le port. Ouais. Mais c'est assez étonnant qu'à chaque fois qu'il y a eu des velléités de développement maritime, les circonstances ont fait que ça s'arrête. Je pense notamment au port que les Américains voulaient faire en 1918 pour débarquer leurs troupes à Baden, et qui s'est arrêté aussi parce que fin de guerre. Là aussi, il y a eu la Révolution. Donc à chaque fois,
Il y avait quelque chose, et puis ça s'est arrêté. Et puis voilà. Ça s'arrête. Oui. Mais là, on est là pour refaire redémarrer. Tant qu'à faire, oui. Et puis maintenant, le port est à flot en permanence. Donc, oui. C'est plus les mêmes problèmes. Les techniques ont évolué. Voilà. Donc, effectivement. Et puis la renaissance de Vannes, on peut le dire, vient aussi beaucoup donc, de l'écluse, de l'aménagement du port. Bien sûr. Avec cette marina qui est absolument extraordinaire. C'est un grand port de plaisance. C'est un grand port de plaisance. Et puis, alors, les jeunes adorent les bars tout autour. Oui, c'est bon, ça va de pair. Hein. Mais ça fait partie de la vie d'un port. Ça fait partie de la vie d'un port, effectivement. Alors, donc, entre l'université et le port, effectivement, il y a du plaisir. C'est toujours sur le port que les choses se passent. Oui. Et comme ça, Vannes, petit à petit, est en train de se refaire une histoire. Oui. Merci, Patricia. Bah, tout est raconté. C'est un petit livre, je vais dire, sans prétention, vu sa taille, mais où l'essentiel, à mon avis, est mis. Petit peu d'histoire de la marine pour expliquer, parce que tout ça est venu quand même après toutes les guerres maritimes qu'on perdait systématiquement. La bataille des Cardinaux, par exemple. Voilà, il fallait donc faire quelque chose, et puis voilà. Et puis voilà. Eh bien, en tout cas, félicitations pour ce livre, Patricia Vigneault, aux éditions du Donjon. Eh bien, on vous recommande ce livre qu'on va trouver un petit peu partout. Okay, on trouve partout, même à la FNAC. À la FNAC, partout. Ok, il n'y a pas de souci. Merci Patricia. De rien, merci Bruno.